Coucou mes plumes, j'espère que vous allez bien. Surtout, bienvenue sur la chaîne YouTube des Stories de Lorenza la Plume. Sortez-vous, c'est gâté entre Aïcha Kamoise et notre marabout de Facebook, Laura Kamini Mama. Elle a dit Aïcha Kamoise que si Aïcha Kamoise prononce encore son nom, elle doit voir. Et comme notre coutéline a des réseaux sociaux, n'aime pas, de Facebook n'aime pas le challenge. Elle a alors dit qu'avec elle, ça ne marche pas le chantage. Elle a dit que elle, c'est la douceur qui marche avec elle. Mais quand tu veux déjà lui faire savoir que tu veux lui imposer, là, ça ne marche pas. Que l'histoire qu'elle avait fait avec Marie Bibi, la blogueuse là, dernièrement, comme il y a eu, elle a fait l'accident, c'est parce qu'elle a parlé à Laura Kameni et tout et tout. Une autre, Aïcha Kamoise a dit que si elle a fait ça, Marie-Bibi lui a donné sa dose adulte, ça ne lui suffit pas. Elle va lui faire ça dur. Donc, comme Laura Kameni avait. En fait, l'histoire avait commencé quand Laura Kameni avait clashé sa propre mère et ses sœurs. Alors, Aïcha Kamoise avait alors publié ça sur sa page. Laura Kameni lui a dit de ne plus jamais l'indexer, maman. Aïcha lui a dit que mais c'est toi-même qui as fait une vidéo. Comment je parle de ça? Ça t'énerve un point où tu me dis que tu veux plus que je vais parler. Quand une histoire se retrouve sur la toile, je donne mon avis, que ça plaise ou ça déplaise. Donc c'est un peu ça maintenant. Il a dit qu'elle est sortie sur Laura Kameni comme les termites. Vous connaissez les termites, non? Maman, elle a fait des réseaux sociaux aussi. Regardons seulement. Depuis qu'elle a fait sa sortie, elle a dit que si Laura Kameni est femme, qu'elle réponde seulement. Papa. Qu'elle réponde. Je ne sais pas si Laura Kameni a répondu parce que c'est ce qui sait, c'est que si Laura Kameni répondait, elle allait lui faire. Je ne sais pas. Donc je vais aller patrouiller. Oh. Si je vois Laura Kameni a répondu, moi-même je vais la taguer que Laura Kameni a déjà répondu à Aïcha. Comme ça, on voit aussi ce qu'elle doit lui faire, non? Ou elle va que l'insulter, oh? Ou elle va que lui porter plainte, oh? Maman, on ne sait pas. C'est entre elles. C'est entre elles. Pour nous, quoi dedans? En tout cas, peut-être Aïcha Kamoise peut encore mieux vous expliquer la scène. Parce que, l'histoire, je veux dire. Parce que, tel comment elle explique, là, peut-être vous ne pouvez pas bien comprendre. Quand elle dit qu'elle a ramassé Laura Kameni, vous croyez que c'était petit. Elle nous a pris à témoin. Elle a pris les mères de Facebook à témoin. Que le respect là, elle s'est en donnée comme elle s'est méprisée. Oh. En tout cas, mes plumes, je vous laisse le soin afin qu'elle-même elle puisse mieux vous expliquer. Donc, n'oubliez pas de me laisser votre avis en commentaire, de liker, de partager. On attend le répondant de Laura Kameni et ce que Aïcha Kamoise doit faire. Bye! Je vous ai demandé de me biper ici Laura Kameni parce qu'il n'y a plus question de tata. Parce que quand tu donnes le respect à certaines personnes, d'autres pensent que c'est synonyme de peur ou quoi que ce soit. Laura Kameni m'a demandé de la prononcer encore. Bipez-la moi ici massivement. Allez lui dire que moi, Aïcha Kamoise, l'enfant de Dieu, on ne me menace pas. On ne m'influence pas. On ne m'intimide pas. Surtout pas. Millions et millions, j'interpelle ici les mamans. Les mamans, venez regarder ce direct-ci. Parce que ça, c'est le premier direct. Je ne vais pas être virulente. Le deuxième direct, vous allez dire que Aïcha Kamoise, c'est ton aîné. Vous ne voyez pas quand les aînés viennent provoquer les enfants. Mais quand les enfants répliquent, vous dites non, Aïcha Kamoise, c'est ton aîné, tu ne dois pas répondre comme ça. Non. Quand les aînés viennent manquer du respect aux enfants, vous ne voyez pas ça. Le respect est mutuel. La personne qui veut qu'on le respecte doit respecter l'autre. Millions et millions, Laura Kameni a fait une sortie où elle a clashé sa mère. Appelons chien, chien. Appelons Chacha. Elle a clashé sa mère. Elle a eu des propos tellement crus et nauséabondes vis-à-vis de sa mère. Je suis Aïcha Kamoise, propriétaire de tous les dossiers. J'ai repris ses propos. J'ai posté. Comme en dessous de la publication, les gens ne la clamaient pas. En dessous de la publication, les gens étaient en train de la raisonner, de dire qu'elle était en train d'endem, parce qu'en réalité, elle endem déjà. Elle m'envoie un message pour me dire, Aïcha,
Si tu me prononces, quand, fais attention quand tu parles de moi, parce que si tu me prononces encore, je vais taper sur tes doigts, et quand je tape sur tes doigts, ça fait très mal. Ce que Marie Bibi t'a fait là devant va être pétillé. Mais elle te manque le respect. Une qualité de manque de respect que tu vas te mirer comme ça, tu auras les difficultés. Tu vas te pouvoir, bah, tu as l'âge de ma mère, mais tu veux te manquer le respect. Tu ne vas même pas comprendre. Facebook, c'est l'endurance. Donc là, je suis en train de prévenir mes mamans là. Les mamans là. Regardez bien. Regardez bien. Dites alors qu'Amenika vient vociférer sur Facebook. Elle doit s'attendre à la réplique. Voilà une femme que j'ai toujours évité de parler d'elle. Voilà une femme que quand ce dossier vient, vous êtes témoin ici là, j'évitais. Jusqu'à d'autres ont pensé que non, j'avais peur d'elle. Non, c'était pas parce que j'avais peur d'elle. J'ai peur d'elle, qu'elle va me faire quoi? Elle fait peur aux autres, elle ne me fait pas peur. Elle est qui? Tout ce que sonne à moi de la bouche de Loka Meni, c'est mort, mort, mort. Elle sort seulement la mort aux gens. Elle sort seulement la mort aux gens. Tout ce qu'elle sait faire, c'est souhaiter la mort aux gens. Elle m'a dit qu'elle me donne les avertissements. Oui, je suis malade, j'étais hospitalisée. Je suis sortie de l'hôpital tout à l'heure. Hein? Hein? Oui, parce qu'on va parler, non? Elle va commencer, elle va sortir là-bas, dire que je suis une sorcière. Qu'est-ce qu'elle va dire quoi d'autre? Je lui ai dit que tu vas encore dire quoi d'autre? Elle va dire que je suis dans le femme-là. Elle va dire que je suis une sorcière. Elle va dire que je suis dans les loges. Après ça, elle va dire quoi d'autre? Mais ce que tu vas dire est caduque. Parce que depuis le départ, pourquoi tu n'as pas parlé de moi? C'est quand je suis en désaccord avec toi. Parce que vous savez, il y a souvent certaines personnes qui sont sur Facebook, on doit les caresser. Quand tu viens sur Facebook, tu fermes ta gueule. Tu reçois, tu encaisses aussi. Hein? Tu dois aussi encaisser. Donc, quand elle m'envoie, elle pense qu'elle a peur par là à son enfant. Donc, millions et millions, mes tatas qui parce que vous connaissez comment je suis virulente. Donc, dites à la tata là qu'à chaque fois, si elle ne veut pas qu'on parle d'elle, elle ne parle plus des gens. Parce qu'elle s'assoit parler des gens. Non, en fait, elle s'est pris pour qui? Qu'elle doit parler des gens, elle doit pas parler d'elle. Elle s'est pris pour qui? Hein? Elle s'est pris pour qui? C'est même quel condiment dans quelle sauce qu'on ne peut pas parler. Donc, allez lui dire, elle a dit que je prononce encore son nom. Allez lui dire qu'Aïcha Kamouaz a prononcé Loka Kameni. J'attends ce qu'elle va dire. Elle s'assoit, elle attendra sa réponse. Je vais la faire ça propre. Dans les mamans. Hein? Oui, c'est le repos, mais Lyon, il me faut du repos. Il me faut du repos. Donc, les mamans qui vont regarder mon direct, si là. Si Loka Kameni fait une sortie, qu'elle s'attend. Peut-être qu'elle entend Aïcha Kamouaz, mais elle ne connaît pas. Le manque de. Parce que Marie Bibi t'a donné, ça serait petit. Je vais chier la diarrhée sur toi. Hein. Quand tu vas encore te regarder. Parce que regardez bien. Depuis son clash avec Marie Bibi, sa folie a un peu stagné. Elle est restée un peu statique. Parce qu'on s'est rendu compte qu'elle manquait beaucoup. Elle a permis à un enfant comme Marie Bibi de lui manquer du respect. Aujourd'hui, qu'elle m'envoie des messages comme je suis sa fille. J'ai l'âge de son fils. J'ai l'âge de son fils. Vous avez vu, j'ai toujours donné le respect ici, la tata, Loka Meni, tata, mère, les tata et tout dessus. Cet dossier vient me trouver, je ne parle pas. Cet dossier vient me trouver. Elle prend l'argent aux gens ici, là. Mador assiette bloque. Banni. Voilà, allez, banni. Voilà. Donc, je ne parle même pas encore, parce qu'elle a dit que si je prononce son nom, c'est un avertissement. Donc, pour lui dire que non, je n'ai même pas peur. Je suis en train de faire le direct sur ma seconde page. Je n'ai même pas peur. Tu ne fais peur à personne. Tu n'es pas Dieu pour dire quand les gens vont mourir. Tu n'es pas Dieu pour dire si les gens vont mourir. Tu n'es rien du tout. Tu exagères déjà. Un personnage que tu ne peux pas lui reprocher quelque chose. Dès que tu veux reprocher quelque chose à Loka Meni, elle est sur la défensive. Dites-moi un seul jour où j'ai à reprocher quelque chose à cette femme-là. Pas parce que je n'avais pas des choses à lui reprocher. Mais parce que je me disais, bon, vas-y. Berline, attendez, je bannis. Parce que je vous ai dit que non, bannis. Je ne discute même plus. Hein?